Une bande d'un civique est tombée dans le filet du service de l'ordre dans la nuit d'hier. Ces malfaiteurs ont été appréhendés au cours d'une patrouille mixte menée par les éléments de la police nationale congolaise, FARDC, dans le cadre de l'opération Kumba Kimbiko, supervisée par le maire de Matadi, Dominique Nkodembété. 15 au total, parmi lesquels 3 criminels à main armée qui ont dépouillé dernièrement un changeur de monnaie au niveau de l'EBK, ont été présentés au commissaire du commissariat urbain de la police nationale congolaise, colonel Baudouin Kilima, par l'OPJ Makita. 15 kouluna wana, omoni bakangi wana, baza bana moko, baza batu moko, baza laka toujours arrêté. Toujours na kati ya ba entreprise, na bango la police pe bi rolemba bango te, et rotine na bango acquis des droits. Bana wana bakende ko kote la batu kuna kote ya quartier Kotazo, bakote nanda kuna butu. Na ba machette, na ba kagoul, ba yibi. Heureusement, ba victime wana ba identifia ki parmi bango ba auteur ou ba kometa ki ba forfait wana. Les victimes de cas de vol déplorent le comportement de la justice après l'arrestation de ces criminels. Monsieur le maire, en tout cas, la mission mingi. On a moussala, ozo sala, ya ba kouluna. Mais tout le monde, ba kouluna, so ba koti na prison. Après tout ça, bah, ici, bah, on a dit que rien ne continue. Alors, cette fois ici, bah, oh, oh, bah, joie, il faut qu'on bah, condamne. Bah, si ça se transmette, incarcéré dans la cellule garde à vue du commissariat urbain de la police nationale congolaise, ces malfaiteurs seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes.